Et salut tout le monde, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, comment savoir si vos poissons sont malades ou pas. Donc, dans ce premier cas, l'image s'affiche à l'écran, votre poisson se trouvera souvent en bas, à ne pas bouger, dans une cachette, à rien faire. Donc souvent, si c'est ça, ça peut être dû à le stress, le manque de manger, dû à beaucoup de choses. Voilà, donc c'est pour la première cause. La deuxième maladie, c'est la maladie des points blancs. Donc la maladie des points blancs, c'est souvent sur les guppies, là, comme vous voyez. Enfin, souvent sur... c'est des poissons, quoi. Enfin, ils ont des genres de petits points blancs, c'est des genres de crustacés qui se mènent et qui mangent la peau. Donc ça peut être dû à... En fait, c'est un poisson qui avait ça, et quand vous l'avez introduit dans votre aquarium, il a donné à ses autres poissons, et en fait, il a contaminé l'eau. Du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est vider tout l'aquarium, mettre tous vos poissons dans un autre aquarium, et voilà. Donc, en fait, ça, il faut tout changer, quoi. C'est juste une infection, une maladie qui est transmissible. Donc, voilà. Donc, la troisième cause, c'est un poisson qui nage pas droit. Tout simplement, c'est dû c'est la chaleur, la nourriture, enfin toujours les mêmes symptômes, quoi. Et en fait, c'est à l'intérieur d'eux, quoi, les poissons ont une poche d'air qui leur permet de flotter, en fait. Et en fait, cette poche d'air, c'est que soit elle est percée ou elle est mal mise, enfin elle est de travers, voilà. Et du coup, ils sont pas droits, voilà. Donc après, il y a des poissons qui peuvent se retourner, faire ce qu'ils veulent, c'est normal, mais, voilà. Donc c'était trois étapes simples et faciles pour comprendre comment, pourquoi, si vos poissons sont malades ou pas. Donc si vous voulez, je ferai une nouvelle vidéo comment les soigner. Dites-moi ça dans les commentaires si vous voulez. Et le lien de la dernière vidéo, de mon blog, YouTube, Google et tout, tous les liens seront dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et moi, je vous dis bye!